Bonjour, ici je vous propose donc de continuer notre feuilleton concernant les communications avec l'au-delà, contact et dialogue avec les mondes invisibles de Bernard Baudouin. Petit rappel, je ne vais pas vous lire le livre dans son entier mais simplement vous lire quelques passages qui pour moi me semblent importants et euh, j'espère que cette lecture vous incitera à à approfondir le sujet. Chapitre 2 La survie de l'âme. Découvrir que l'on peut communiquer avec une autre forme d'intelligence invisible dans la plupart des cas nous conduit immanquablement à reconsidérer à la fois notre conception de la vie humaine et l'ensemble de nos rapports avec tous ceux qui nous entourent. Envisager qu'il puisse exister d'autres formes d'existence humaine que la nôtre, dans une dimension parallèle est déjà en soi un challenge intellectuel, mais considérer en plus que cela remette en question notre propre mort bouleverse tous les repères de notre culture, en particulier dans une société majoritairement Judéo-chrétienne. La mort de l'individu servit très longtemps de vecteur principal à cette croyance en un autre monde où les disparus poursuivaient leur trajectoire au lieu d'avoir été dissous dans le néant, ainsi qu'on le pensait auparavant. L'homme vivant s'en trouvait soudain comme régénéré. Si sa vie ne se terminait plus en cul-de-sac, il se pouvait donc qu'il soit autre chose que ce corps vieillissant au fil des ans qui allait vers une fin inéluctable. Mais surtout avec la croyance et les conceptions primaires du passé, venait d'engendrer la notion de sacré. Bien au-delà de la conception que l'individu avait de sa propre mort, l'apparition du divin donnait un autre sens à la vie de l'homme, lui offrait sur un plateau quelque chose qui allait désormais changer la portée de son existence, l'espoir. D'abord l'espoir de survivre, d'une manière ou d'une autre, d'échapper à l'angoisse du néant qui le harcelait depuis toujours, à cette mort qu'il n'avait cessé de craindre, mais aussi l'espoir de changer son existence au quotidien. Tout portait maintenant à croire que la mort n'était pas en réalité ce qu'on avait pensé ce, ce qu'on en avait pensé jusque-là, si elle restait synonyme de la disparition du corps physique, que tout un chacun pouvait constater le plus élémentairement du monde, elle n'en marquait plus pour autant la fin de l'existence. Et tout à coup, c'était la vie elle-même dont l'image était renouvelée par une nouvelle perception, peu à peu une autre conception, s'affirma, qui voyait en la naissance et la mort non pas le début et la fin d'une existence, mais seulement des étapes transitoires entre deux États, deux mondes distincts, dans lesquels l'esprit de l'homme continuait à exister. Bien sûr, il y avait encore une foule d'incertitudes, de questions sans réponse, de signes trop approximatifs qui le faisaient souvent douter, mais au moins une certitude l'habitait désormais il y avait bien là quelque chose derrière cette limite autrefois définitive et indiscutable qu'on appelait la mort quelque chose que les religions allaient définir à leur manière comme une force divine supérieure à l'homme, de plus en plus difficile à ignorer, apportant enfin leur lettre de noblesse à la croyance et à la foi. Y a t-il est Réellement une vie après la mort. Longtemps, la vie a été considérée d'un point de vue strictement biologique et la mort comme la cessation des fonctions inhérentes à la vie. Chaque mort venait alors mettre un terme, <coughs> chaque mort venait mettre un terme définitif à une trajectoire humaine, quelle qu'ait pu en être l'origine et la durée. Mais s'il est indéniable que le corps est périssable. Que dire de cette autre partie de la vie de l'homme qui n'a pas de lien direct avec le physique et la matière, qu'il s'agisse de la conscience, de l'esprit ou de l'âme? Peut on en déduire qu'il y aurait une existence possible sans le support et l'intervention du corps physique en l'absence de toute Fonction organique La question a été posée de multiples manières depuis l'aube des temps, avec bien souvent des réponses tout aussi approximatives les unes que les autres. Mais aujourd'hui, une étape de plus est franchie qui ouvre la voie à une interprétation résolument nouvelle, voire révolutionnaire, de l'existence humaine. Au-delà des allusions très explicites de Platon, du livre des morts égyptiens et des traités tibétains sur la mort, ou encore des interprétations ésotériques et thé théologiques, les plus diverses, qui toutes se voulaient légitimes, de très nombreux témoignages et expériences recensées ces dernières décennies, permettent aujourd'hui d'affirmer que la persistance d'une forme d'existence après la mort physique est sérieusement envisageable, au-delà d'un simple point de vue conceptuel, de la plus concrète des manières et surtout pour répondre aux dénégations des sceptiques avec l'apport déterminant de récentes découvertes scientifiques qui éclairent d'un nouveau jour la réalité de l'existence humaine. Dès lors se pose la question fondamentale de la destination de l'âme après la décorporation. Si l'existence perdure effectivement sans le corps, sans le moindre support organique, ce que tendent à démontrer aujourd'hui la physique quantique et les neurosciences reste à savoir comment et vers quelle autre dimension transite l'entité humaine d'un individu décédé. La science nous révèle que l'information, quelle que soit sa nature, ne peut être détruite. Et on sait que l'âme, l'esprit, renferme une multitude d'informations collectées tout au long de la vie. Il nous faut donc à présent admettre une nouvelle conception du réel, et voir en l'homme non plus uniquement un simple corps périssable, mais un potentiel énergétique n'étant plus soumis aux seuls impératifs du corporel et de la matière.